Les enjeux de la mobilité sur l'intercommunalité, c'est de pouvoir offrir un service aux gens ne disposant pas de véhicule et puis faire face à l'absence de transport en commun sur tout le territoire. Mademoiselle Estelle, bonjour. Oui, alors ça serait pour quel jour? L'offre de mobilité que nous avons mis en place sur notre communauté de communes s'appelle Teddybus. C'est la communauté de communes Mademoiselle qui gère le service, mais on travaille avec un prestataire local. Et lui, en fonction du nombre de réservations, va utiliser soit un minibus, soit un véhicule léger, style taxi. Comme d'habitude, Pont-à-Mousson, un aller-retour, deux personnes. Au revoir. Alors le fonctionnement du système, on a créé des lignes de bus qu'on appelle virtuelles, c'est-à-dire qu'on a déterminé tout un circuit. Et ce circuit, il n'est activé qu'en fonction des réservations. Donc les avantages de Teddybus, déjà c'est son tarif, 2 euros pour un aller et 3 euros pour un aller-retour. Et puis c'est aussi la possibilité qu'on offre à des personnes qui ne disposent pas de moyens pour se déplacer, de pouvoir quand même se rendre sur une gare, se rendre à un marché ou se rendre à un rendez-vous médical par exemple. C'est également quelque chose d'important en termes de lien social, parce que ça permet aussi à des personnes d'utiliser le service pour se rendre soit dans de la famille, soit rencontrer des amis tout simplement. Le Teddybus, c'est vrai que c'est très arrangeant hein, comme service, dans le sens où j'ai pas le permis encore actuellement. Donc je peux pas tout le temps appeler mes parents ou ma famille pour m'emmener à droite, à gauche. Donc depuis qu'il y a le service là, je peux aller dans des villes, je peux le faire quand je veux. Aujourd'hui, notre système Teddybus, c'est 4 lignes qui couvrent le territoire d'est en ouest et de nord au sud. L'objectif, c'est de pouvoir l'étendre à d'autres communes qui aujourd'hui ne sont pas couvertes par le service. Et pour l'avenir de Teddybus, on a prouvé en 3-4 ans qu'on a réussi à doubler le nombre d'usagers. Si on peut encore faire autant dans les années à venir, on sera satisfait.